Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 24 août 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant toute chose, retour sur le quintet de la veille qui se disputait ce samedi du côté de Deauville. El Magnifico, le numéro 10, monté par Christiane Demuro, s'impose tout à la fin devant le courageux Octoking lors d'une arrivée extrêmement difficile à déchiffrer. La minute quintée réalise malheureusement un zéro pointé. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, un magnifique exploit réalisé par Mickey et Keke est à souligner. Ce dernier donne quintet plus, accompagné des bonnes bases gagnantes et placées, et survole le concours du jour. Bravo également à Coco 95 et Cédère 27 qui complètent le podium. Allez, passons maintenant à l'étude du tiercé quarté quintet plus du lundi 24 août 2020. C'est le prix de Mortain, première course de la Réunion 1 disputée sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, qui sera à l'honneur. Cette course D, à condition, réunira 16 trotteurs âgés de 6 à 10 ans d'un niveau très correct. Avant coup, de bonnes bases se détachent, mais avec un rendement de distance, la course peut réserver quelques surprises. Étoile Évry, le numéro 5, est la compétitrice de classe du lot. Restant sur une belle victoire obtenue sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, partant en tête, pilotée par Éric Raffin et déférée des 4 pieds pour la première fois, ce qui ne gâche rien, elle peut faire d'énormes dégâts. Dreamer Boy, le numéro 12, a de nombreuses qualités et ses deux dernières victoires l'attestent. En pleine possession de ses moyens actuellement, il va logiquement tenter de tripler la mise à Vincennes cette fois. Eagle Mélois, le numéro 7, a énormément de moyens mais demeure également compliqué. S'il reste sage, il va faire sensation dans ce lot. Crusoe Danama, le numéro 14, entraîné depuis quelques semaines par Jean-Michel Bazir, aura à cœur de confirmer son dernier succès obtenu sur l'hippodrome de Vibray. El Costo Dubanet, le numéro 1, moins riche de la course mais pas le moins doué assurément, aura de nombreux fans. Darwin Star, le numéro 8, superbement engagé en tête après sa dernière victoire, tentera de confirmer. En cas de non partant, Divine de Navarre, le numéro 11, bonne pisteuse, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un très joli quintet plus et vous disons à demain pour une nouvelle minute quintet.